UEFA Euro 2008. Avec Kia. Et JVC. Partenaires officiels. Bonjour et bienvenue ici au Parc Saint-Jacques de Bâle pour le match d'ouverture de l'Euro 2008 qui se joue donc conjointement entre la Suisse et l'Autriche, deux pays donc organisateurs. Et aujourd'hui c'est la Suisse qui démarre 7 euros à domicile, grosse pression ici donc à Bâle pour les Suisses face à la République tchèque. Grosse attente du public et première occasion ici par Alexander Frey, sans problème pour Petr Cech. Les Tchèques jouent sans complexe. Yann Köhler face à Benaglio. Beau retour des défenseurs. C'était la première grosse occasion de ce match à les Tchèques avec Yann Köhler bien contré. Les Suisses ont le monopole du ballon. C'est normal, ils sont à domicile. Il doit faire le jeu, Frey encore, la frappe, juste au-dessus. Le capitaine suisse malchanceux pour l'instant. Et les Tchèques qui récupèrent des ballons et qui sont à 2 doigts d'ouvrir la marque ici encore par le géant Yann Köhler. Occasion suisse avec Marco Strehler, Frey, dédoublement de passe entre les deux. Frappe de Strehler et qui ne trouve pas le cadre, incroyable manqué. La réussite n'est pas avec la Nati. Aujourd'hui, encore une occasion pour Frey à demi-heure de jeu. Il se prenait tout seul. Et non, et il rate son duel face à Petr Cech qui s'est bien couché. 43e, une occasion ici pour les Tchèques. Seigneur G, c'était encore Yann Köhler. 0-0 à la pause. Le public s'impatiente un petit peu. Autre chose qu'une victoire serait une déception pour les joueurs suisses. Köhler, encore ce diable de Köhler, le plus dangereux sur le front de l'attaque tchèque. Point d'ancrage. Toujours Köhler avec Milan Baroš. Baroš qui va pouvoir déborder le centre de Baroš. La reprise, premier poteau de Köhler et c'est le poteau qui sauve la Suisse. Attention, il reste 6 minutes à jouer. Un tir ici. Bien capté par Petr Cech, on va droit vers un 0-0 pour ce match d'ouverture. Attention, Plasil, Baroš pour Köhler qui résiste, Köhler qui fixe et qui marque. Ouverture du score à 5 minutes de la fin. Et contre toute attente, cette ouverture du score, elle est pour la République tchèque par ce diable de Yann Köhler, omniprésent aujourd'hui, pourtant souvent seul sur le front de l'attaque tchèque. Et voilà. Il n'a pas manqué l'occasion, regardez, il résiste aux deux défenseurs. Et là, coup du pied, premier poteau, 1-0, on joue les arrêts de jeu. C'est mal parti pour les Suisses, une dernière tentative peut-être ici avec un ballon. Pour Van Loten qui rate son duel encore face à Petr Cech, c'est terminé. La Suisse rate ses débuts dans son Euro. Et on se retrouve ici à Genève pour le second match de ce groupe A entre le Portugal et la Turquie. Les Portugais qui font partie des outsiders de 7 euros avec leur star Cristiano Ronaldo qui compte bien faire parler la poudre dans 7 euros. Et ce sont les Portugais qui se sont créés la première occasion. Attention, 15e minute de jeu, Tounsai, un ballon. Erding contré par le gardien et c'est suivi par Nihat Kavecci qui ouvre la marque sur la première occasion turque. C'est la surprise. Les Portugais qui dominaient et sur un contre, les Turcs ouvrent la marque. Tounsai, Sanli, Erding, l'arrêt de Ricardo et derrière Kavecci qui a suivi 1-0 pour la Turquie.
Le Portugal qui réagit avec une volée de Cristiano Ronaldo et là une parade terrible de Volcan. La main fermée, le Faris dans cette reprise de volée. C'était magnifique. Corner donc pour le Portugal. Moutinho s'est repoussé, ça va revenir pour une volée superbe. Équilibre parfait, mais c'est à côté. 25e minute de jeu. Simao, le centre s'est repoussé de justesse. Attention, ça revient avec Luis Miguel. Miguel pour Ronaldo. Ronaldo, la frappe et le but. Oh, ça y est, le coup de canon de Cristiano Ronaldo, la star portugaise qui fait son entrée d'une manière fracassante dans cet Euro. Quel but! Quel but du joueur de Manchester United, Cristiano Ronaldo. Passe de Luis Miguel, Ronaldo, il se retourne, une frappe coup du pied, c'est superbe, la puissance, la technique, poteau rentrant, but magnifique. Un partout, le Portugal a égalisé, c'est logique, et les Portugais qui continuent, Ronaldo, il est plus vite que tout le monde, il va se présenter, frappe puissante de Ronaldo, et heureusement la Volcan a mis les points, on en reste à un partout, mais quelle rapidité, quelle puissance, quelle technique chez ce joueur. Un partout, c'est le score à la mi-temps, c'est pas cher payé. Le Portugal est en démonstration face à des Turcs qui sont aux abonnés absents, mais qui résistent quand même. Allez, alors pour Deco, qui a centré, c'est contré, les défenseurs turcs qui n'arrivent pas à se dégager, ça cafouille un peu. Un corner, Deco, ça va revenir avec Armando Petit, c'est contré par la défense. Allez, une occasion pour les Turcs quand même. Un tir qui passe à côté. Moutinho, Ronaldo. C'est récupéré, Moutinho, Simao. Simao, Simao, voilà, ça. Ça combine pas mal et c'est le but. Et c'est le but à l'issue de cette occasion. Où il y a eu un dédoublement de passe entre les Portugais. Et c'est le remplaçant Elder Postiga. 40. Remplacer Nuno Gomes, le capitaine, et ben c'est lui sur cette succession de passes qui réussit à mettre un petit ballon intérieur du pied dans la lucarne de Volcan. 2-1 pour le Portugal. Toujours les Portugais. Ici une occasion en or, ça passe, c'est dégagé en corner. 68e minute de jeu. Ronaldo, Ronaldo. Attention, c'est mal dégagé. Attention, ça va revenir pour Postiga. Et oui, et 3 buts à 1. 3 buts à 1 et le doublé d'Elder Postiga. Le Portugal qui se détache fort logiquement. 3 à 1 pour l'équipe lusitanienne. Et encore une fois, une défense turque là qui ne parvient pas à se dégager. 3 à 1. Ronaldo toujours. Ouais, il est passé. Il est passé encore, il va pouvoir lever la tête, un petit ballon, c'est dégagé, c'est repris, c'est une parade de Volcan. En tout cas, un festival offensif de cette équipe portugaise aujourd'hui face à des Turcs qui n'auront pas montré grand-chose. Une occasion peut-être ici quand même avec Thuram, une frappe au-dessus de Casemiro Charles. Et on en reste là, 3 à 1, belle entrée du Portugal.